Mon fils vient d'arriver. C'est lui qui vous montrera la nouvelle bergerie. Si vous voulez, vous apprendrez comment elle marche. Avec Jeanne-Marie, nous descendons la colline vers les grands bâtiments agricoles en bas de la colline. Dites-moi, ces brebis... Vous les élevez seulement pour le lait? Surtout pour le lait. Ils les annoncent comme pour la boucherie. La laine ne rapporte plus. Pendant des années, on attendait les bêtes pour payer le berger. Maintenant, la tante paie tout juste le tendeur. Regardez, voilà la salle de traite. Entièrement automatique, pratiquement. Pendant des siècles, on a collecté le lait à la main. Notre vie a bien changé. Actuellement, la bergerie, on y vient deux fois par jour, vers cinq heures du matin et le soir. Le lait, celui du matin, est enfermé dans ces conteneurs réfrigérés. Je repasserai ici à dix neuf heures. J'y resterai deux heures et j'en sortirai vers vingt et une heures. Tout ce lait partira dans l'aviron À Roquefort, oui. Si le lait est assez riche, le prix montera. Et si on a de bonnes brebis laitières, elles fourniront chacune à peu près un litre et un quart par jour. Mais en les brebis ne donneront plus. Et on se sert de dix litres de lait pour faire un accord. Tenez Не анализируйте это слово. Оно здесь только для того, чтобы привлечь ваше внимание. Вер либо бетимо? Вер здесь en direction до. Или можно еще сказать версенкер что равняется приблизительно к пяти часам, немного до или после. Актьюэльмо равняется en ce moment, «в Настоящее время, теперь, сейчас. Диконтенер. Перед вами французская форма русского слова контейнеры. Жан Сортире. Вспомните. Je vais à la bergerie. J'y vais. Je suis à la bergerie. J'y suis. А сейчас je sors de la bergerie. J'en sors. Другой пример. «Les courses Nous en venons. C'est magnifique. Librebi non d'on plus» – Глагол используется без дополнения. Здесь очевидно librebi но dorm plus duле le pays de catsan fromage. По традиции говоря, во Франции можно есть новый вид сыра каждый день в течение года. На самом деле существует около 400 видов сыра. Некоторые рестораны предлагают меню из всех сыров которые подаются от самого мягкого порцелю, например, до самого твердого, грозный, корсикан, молочный сыр, сгусток. Деголь, цитируя Винстона Черчилля, обычно говорил, «Страна, где 400 видов сыра, неуправляемая страна». А сейчас немного теории. «Иль ву montrera la bergerie. Здесь глагол в будущем времени. Чтобы образовать будущее время, нужно к инфинитиву глагола прибавить формы глагола «авуар» иметь. Исключения составляют лишь четвертая и пятая формы, где нужно отбросить начальное а. Пронаблюдайте. Же, тюа, или ну. Вот здесь мы отбрасываем а. Он получается «вузавэ», тоже отбрасываем а, получается з. Ils ont. Ici, que vous nous ça. Montrer plus e. Je montrerai. Montrer plus a. Tu montreras. Montrer plus a. Il montrera. Montrer plus on. Nous montrerons. Montrer plus z. Vous montrerez. il montrer plus on. Ils montreront. Фонетическое правило – буква «e» инфинитива становится немой. Другие примеры «sortir» – «je sortirai», «prendra» – «il prendra». «Pendant des siècles, on a collecté le lait à la main». Вы знаете, что «pendant» плюс «non» и плюс «verb au présent» – это общая продолжительность. В этом предложении глаголу «passé composé» речь идет об ограниченной продолжительности в прошлом, которую можно уточнить, например, «pendant trois siècles». «Si le lait est riche, les prix montrent». «Observe». Здесь у нас «si» плюс «verbe au présent» и «verbe au futur». Вы уже знаете, что си верба презент и пуваро презент это возможность. А новая конструкция показывает вероятность, иллюстрацию в будущем естественного вывода. Абитюда. Кан люле и ли монт. И иллюстрация си и рыш и се пробабле. Алёр ли монтрон. Les grands bâtiments agricoles. Как определить место для прилагательного? Агриколь – это объективно. Пишется после существительного. Grand – это субъективно или относительно. Пишется перед существительным. Например, публик, что объективно. Жоли – это субъективно. C'est un joli jardin public первое прилагательное может иметь при себе наречие. Très grand. Joli". второе этого не может. Немного упражнений. Как всегда, я зачитываю пример, потом даю вам несколько секунд на размышление и потом проговариваю правильный ответ. Le lait partira Répondez au futur. Il passe tous les jours à midi. Alors, demain, demain, il passera à midi. Elle sort tous les soirs à 18h. Alors, ce soir, elle sortira à 18h. Vous partez tous les étés. Alors l'été prochain, nous partirons. Tu prends ta voiture tous les matins. Alors demain matin, je prendrai ma voiture. Ses parents l'aident tous les jours. Alors demain, ils l'aideront. Si c'est une bonne brebis, elle donnera un litre et un quart de lait. Quand mes amis viennent en lozère, ils habitent à la ferme. Alors, s'ils viennent, ils habiteront à la ferme quand tu pars en voyage tu nous écris des cartes postales alors si tu pars en voyage tu nous écriras des cartes postales quand il fait beau vous descendez dans les gorges « S'il fait beau, vous descendrez dans les gorges. »« Quand il pleut, elle reste à la maison. »« S'il pleut, elle restera à la maison. » Une bonne brebis laitière. Raspolagez-vous les bons mots pour choisir la bonne direction de un ciel bleu beau un beau ciel bleu Mon ami cher Canadien Mon cher ami Canadien Un fromage célèbre régional Un célèbre fromage régional une route touristique agréable. une agréable route touristique. une bergerie lozérienne ancienne. une ancienne bergerie lozérienne pendant des années.

dans la région. Pendant trois semaines, j'ai voyagé dans la région. Des années, nous utilisions l'ancienne bergerie. Pendant des années, nous avons utilisé l'ancienne bergerie. Les mois d'été, Mb a amené les brebis dans la montagne. Pendant les mois d'été, Mb a amené les brebis dans la montagne.